L'histoire est-elle une science? C'est une question qui fait débat encore aujourd'hui, qui a fait débat au cours de l'histoire, justement, avec d'un côté le fait que l'histoire a une méthode, une méthodologie, et qu'on parle des sciences humaines et sociales, et que la méthodologie de l'histoire quand même essaye de permettre à celle-ci de construire une connaissance d'une manière rigoureuse, comme une science. Mais d'un autre côté, il y a des limites à son usage, notamment le problème des sources, le problème du fait qu'il y a quand même toujours une interprétation humaine des sources et de la manière dont on fabrique la connaissance. Et voilà, on travaille sur de l'humain. C'est beaucoup plus dur. Et donc, du coup, le débat sur l'aspect scientifique de l'histoire, mais qu'on peut retrouver également dans l'aspect scientifique des sciences humaines et sociales, avec d'un côté des partisans de ce qu'on appelle les sciences dures qui vont mépriser, certains. Évidemment, pas de généralité, mais qui vont mépriser les sciences humaines et sociales, et de l'autre, une vision, du coup, d'une rigoureuse de ces sciences humaines et sociales, et une vision, du coup, de ces sciences qui arrivent à fabriquer la connaissance. Mais du coup, si vous voulez en savoir plus sur ce débat, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, je vous mets le lien en description, et je vous invite à aller la voir.